J'ai une question. J'aimerais savoir est-ce que les deux dernières églises qui sont mentionnées, celle de Philadelphie et celle de Laodicée, ce sont comme symbolisant dans le champ terrestre de Christ, le blé est livré, en fait, selon les caractéristiques qui sont décrites dans ces deux dernières églises de Philadelphie et de Laodicée. Ok. En fait, cette église d'Apocalypse, il y en a qui sont venus pour dire que, comme il y a sept églises, donc c'est des églises qui correspondent aux sept âges. Hein? Donc, tout ça, ils citent les sept messagers de cet âge, en parlant notamment de Luther, de Paul, le prophète de l'église d'Éphèse, Luther, l'église de je ne sais pas quoi, et lui-même l'église de Laodicée. Donc, selon, je crois que la Bible dit. Et en fait, les sept églises se retrouvent aujourd'hui. Ces sept églises ont existé au 1er siècle, ont existé de tout le temps, depuis 2000 ans. D'accord ? Donc aujourd'hui, en ce temps de la fin, donc l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie font c'est la même église aujourd'hui en esprit. Voilà. Et donc c'est le blé, effectivement. Et les cinq autres églises, c'est livré, effectivement. Voilà.